RTL Matin. Posez toutes vos questions à Najat Vallaud-Belkacem au 3210. Vous allez prendre la parole dans un instant. Merci Madame la Ministre d'être restée avec nous. Une première question. Il y a des Français qui s'interrogent et se disent notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale a 36 ans, sans misogynie, sans hostilité, comment peut-elle porter un ministère aussi lourd, 60 milliards de budget, c'est l'équivalent d'une multinationale. Qu'avez-vous à leur répondre ? En fait, c'est 70 milliards. Oui, c'est une grosse multinationale, alors. Non, plus sérieusement. Oui, je comprends absolument qu'on se pose évidemment des questions. Mais d'ailleurs, ces questions valent pour l'ensemble des responsables politiques et toute responsabilité confondue. Ce que je peux répondre, au moins sur un point, c'est que je pense qu'il n'est nul besoin d'être... enseignant soi-même pour être ministre de l'Éducation nationale, tout comme il n'est pas besoin d'être médecin pour être ministre de la Santé. Je pense que les responsabilités politiques ne doivent pas être réservées à des experts, même si l'expertise est toujours utile, qu'être responsable politique, c'est savoir s'entourer, savoir écouter et savoir décider. Vous leur dites « rassurez-vous, j'ai la carrure pour le faire ». Moi, je leur dis que des responsabilités politiques, on les exerce quand on a les convictions, le projet de société et l'envie d'améliorer les choses, tout simplement. Et moi, au service de l'éducation nationale, je mets à la fois cette conviction que l'éducation est au cœur de tout, notamment pour faire réussir nos enfants. Le projet de société, c'est celui de l'excellence, parce que je pense que notre pays a les atouts pour être dans l'excellence. Et puis l'énergie, eh bien, je crois qu'elle est là et que les actes que j'ai pu poser depuis maintenant plusieurs années dans mon engagement politique démontrent que je suis une femme d'action. On va donner la parole à Céline qui nous a appelé au 3210. Bonjour Céline. Bonjour. Que vouliez-vous demander à Najat Vallaud-Belkacem ? Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Avec mon mari, nous sommes restaurateurs. Nous travaillons donc le samedi, le dimanche, midi et soir. Et nous avons fermé notre petit établissement le mardi soir et le mercredi toute la journée pour préserver notre vie de famille. Nous avons 5 enfants. Ils vont donc à l'école publique dans un petit regroupement scolaire où ils reçoivent un excellent enseignement. Et nous nous refusons de mettre nos enfants le mercredi matin à l'école pour justement préserver nous notre vie de famille. Nous avons lu hier dans la presse locale que le directeur académique menace de nous sanctionner pénalement. Est-ce que cela va être le cas ou est-ce que nous, on peut avoir droit aussi à une vie de famille et faire des sorties avec nos enfants, aller voir leur mamie dans un département voisin ? Que pouvez-vous nous répondre ? La question est très claire. Les parents seront-ils sanctionnés s'ils ne mettent pas leurs enfants à l'école le mercredi ? D'abord, moi, je préfère parler de dialogue et de conviction. Et toutes les équipes éducatives sur place, dans chacune des écoles concernées, sont à la disposition des parents pour expliquer quels seront les effets très négatifs sur leurs enfants d'un absentéisme répété le mercredi matin. Puisque vous imaginez bien ce que ça signifie. Ça veut dire que l'enfant sera amené à manquer régulièrement un apprentissage de la lecture, de l'écriture, du calcul, et donc prendra un retard considérable dans sa scolarité. Je n'imagine pas un instant que des parents puissent, de façon durable, faire subir cela à leur propre enfant. Je crois que l'intérêt supérieur de leur enfant primera. Et donc, je les appelle à discuter. Vraiment, les enseignants et le personnel non enseignant est là pour eux, qu'ils n'hésitent pas à le saisir. C'est le serpent qui se mord la queue. Céline est en train de vous dire, à cause de la réforme, nous ne pouvons plus nous occuper correctement de nos enfants. Voilà. Ce que j'entends, Céline, et je veux vraiment vous le dire, c'est que bien sûr que cette réforme des rythmes scolaires impacte la vie des familles et entraîne des changements d'habitude et une nécessaire adaptation. Bien sûr que ce n'est pas facile parce que très souvent, le temps des familles tourne autour du temps de l'enfant. J'en ai totalement conscience. Je ne dis pas que tout se résoudra dans cette première semaine de rentrée. Je dis simplement qu'en quelques semaines, l'organisation pourra se stabiliser, qu'il faut que chacun y mette du sien, que vos enfants vont avoir la chance à la fois de mieux apprendre, parce que apprendre en 5 matinées, c'est mieux qu'apprendre en 4 matinées. La chance d'accéder à des activités périscolaires qui leur ouvriront d'autres horizons culturels, sportifs, citoyens, scientifiques. Bref, que cette réforme est une chance, elle n'est pas simple à mettre en œuvre. Ça, c'est le programme, Najat Vallaud-Belkacem, on peut très bien le comprendre, mais vous n'avez pas répondu à la question. La question, c'est est-ce qu'il y aura des poursuites, effectivement ? Ou est-ce qu'on va y avoir une période de souplesse ou de compréhension ? Il y a une obligation faite aux parents d'assurer l'assiduité de leurs enfants à l'école. Donc, il y aura des poursuites ?
De la même façon que lorsque un enfant s'absente de façon régulière de l'école, on s'en inquiète, fort heureusement, et on s'adresse aux parents pour leur demander de veiller à sa présence régulière. Il sera procédé de la même façon, bien sûr. Donc la réponse est oui.